Salut, c'est Fred Leclerc, je suis là pour parler d'Amaïrou avec BGP Music Live. Est-ce que tu peux me présenter la genèse du projet? Non. Oui, bien sûr. j'ai rencontré Saki en 2015. Son groupe Mary's Blood ouvrait pour Dragon Force, et c'était à Hong Kong. On s'est rencontrés à cette occasion-là, et puis nous, Dragon Force, on est retourné au Japon quelques semaines après, je sais plus quand exactement. Toujours est-il qu'elle était là parmi les invités. Tu vois, ah, mais c'est toi. Et puis, en fait, on a bu des coups jusque tard. Je me demande si c'était pas au Loud Park. Mais bref, on a dû boire des coups jusqu'à 5 h du mat. Donc c'est tout. Tu vois, bonne entente. Et puis je vais, ou en tout cas j'allais au Japon relativement souvent. Donc à chaque fois que j'allais au Japon, je faisais en sorte qu'elle soit là. Tu vois, j'ai envoyé un message. Quand j'y suis allé avec ma femme pour fêter notre Pax, pardon. Tu vois, on s'est retrouvé dans un bar, etc. Donc c'était cool. Et puis donc voilà. Et puis on s'est trouvé plein de points communs, musicaux, mais aussi extra-musicaux. Et ça nous est venu à l'idée en fait de faire de la musique ensemble, de faire donc un mélange de musique métal, enfin un mélange, de faire du métal voilà avec des touches asiatiques puisque donc elle est japonaise et puis moi je suis fasciné par cette culture-là donc intégrer ça à notre musique. Je voulais pas faire de power metal parce que je suis pas super fan et puis en plus j'étais dans Dragon Force à l'époque donc je voulais vraiment pas trop. Il y a des éléments qui se parce que j'ai composé des trucs chez Dragon Force aussi, donc forcément il y a des éléments, c'est pas non plus. Je déteste pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je voulais quand même faire quelque chose d'un petit peu plus heavy metal, hard rock, truc un peu plus groovy, un peu plus trash, enfin un truc un petit peu plus rythmé avec du groove, etc. Et puis, donc voilà, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, les managements, les labels, en fait, tout le monde a discuté très vite, et donc ça s'est vite accéléré. Là où, ce que je dis toujours dans les interviews, là où quand tu décides avec quelqu'un de faire un groupe et tu dis, bah, tiens, on fait un groupe, ok, normalement, il y a encore du temps qui se passe, mais là, en fait, il y a pas mal de gens qui sont vite intéressés à la chose. Donc du coup, on s'est retrouvé un peu, ah bon, ouais, ok, d'accord, on va trouver des musiciens. Donc j'ai regardé un petit peu dans mon carnet d'adresses les gens qui étaient susceptibles de jouer avec nous, et puis des gens avec qui je m'entends bien. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. C'est relativement simple. Et justement, tu l'as bâti comment le line-up? Voilà, Saki et moi, et puis ensuite, vu ce qu'on voulait faire musicalement, c'est surtout avec des gens avec lesquels je m'entends bien, parce que avec les labels, c'est toujours possible aussi de rencontrer des gens, d'être en contact avec des gens que tu n'as jamais rencontrés dans la vraie vie. Et ça m'intéresse pas. Donc on aurait pu faire un groupe avec, tiens, lui, il est connu, tiens, on va lui demander, on va le payer, machin, tout ça. C'était pas le principe ici. Je voulais bosser avec des gens avec lesquels je m'entends bien, comme pour Sincenom. En fait, c'est tous des amis. Il se trouve que j'ai des amis qui sont plus ou moins connus et qui font de la musique, puisque c'est ce que je fais aussi. Mais donc là, c'était la même chose, en fait. Donc on s'est dit, bah tiens, ça serait bien si on avait du synthé. Et pourquoi pas demander à Kuhn de Epica, puisque je m'entends super bien avec lui, et puis ça serait l'occasion de faire quelque chose ensemble. Pour la batterie, c'est pareil. À la base, c'était censé être Sean Reinhardt, parce que ça faisait des années qu'on voulait faire de la zik ensemble. On avait tourné ensemble en 2000. 2009 avec Daf et Cynic, je crois que c'est 2009, bref. Et donc ça faisait des années qu'on voulait faire de la zik ensemble. Alors à la base on voulait faire du jazz fusion ensemble. Et puis on s'envoyait des messages, ah oui on le fait, ouais ok super. Et puis ça partait toujours un petit peu en bas. Et là comme on discutait, j'ai dit bah tiens, je vais demander à Sean Reinhardt, ça pourrait être très intéressant. Ça fait des années que je veux faire un truc avec lui. Et puis ça serait un rôle un petit peu, pas à contre-emploi, mais je veux dire, ça serait intéressant pour lui. Donc on en a parlé, il était chaud, il a commencé à travailler dessus, et puis en fait, notre emploi du temps a bougé un petit peu, et ça n'allait plus avec le sien, parce qu'il était en train de déménager. Donc à l'époque, je me rendais compte déjà qu'il n'était pas capable, mais là, comme je viens de déménager, je comprends exactement pourquoi il n'avait pas le temps. Il était obligé de démonter son home studio et puis de le remonter, tout ça. Donc en fait, il n'a enregistré qu'un seul morceau avec nous.
Et puis malheureusement, il est décédé en début d'année. C'est pour ça qu'on a mis le morceau qui était censé être un bonus. On l'a mis sur toutes les versions. Et donc, bref, il n'a pas pu faire l'album. Et du coup, j'ai contacté Mike Heller, que j'avais rencontré à la base avec, quand il jouait dans Fear Factory. Donc, c'était en 2015 également, quand on était en Australie. Et on a fait un festival qui s'appelait, ça n'existe plus, Soundwave. Et on a fait des concerts avec Fear Factory. Donc, je l'ai rencontré à ce moment-là. On est resté en contact. Et il se trouve que quand je suis allé au Japon pour bosser sur l'album d'Amairu, il était là avec Raven, le groupe de metal, et du coup, en fait, on a repris contact là. Et quand Sean nous a fait faux bond, j'étais comme ça, je dis merde, putain, tiens, Mike que j'ai vu il y a pas longtemps, je vais lui demander. Donc en fait, voilà, encore une fois, c'est vraiment, des gens avec lesquels je m'entends bien. Et puis pour le chant, à la base, le label management, etc., puisque c'était, tu vois, on envoyait des idées comme ça, un petit peu pour essayer de voir qui pourrait, si, parce que j'étais pas le seul à décider, si tu veux. Le nom de Marc de Dragon Force est arrivé sur la table. Je dis, bah oui, tiens, ça pourrait être intéressant. Je m'entends bien avec lui, forcément, puis je le connais, j'ai déjà bossé avec lui, donc ça sera facile. Mais quelque part, je me disais aussi que, puisque j'étais encore dans Dragon Force à l'époque, je me dis, c'est peut-être un petit peu trop si on est deux du même groupe, et puis est-ce qu'il va être capable de faire ce qu'on veut, mais c'était encore un petit peu flou. Et puis donc, quand on était donc toujours au Japon pour finaliser les démos, avant l'enregistrement, donc j'étais là-bas avec Saki, et puis plus les morceaux avançaient, plus je me disais, ça va pas coller avec sa voix, il faudrait un autre chanteur. Et j'ai pensé à Archie, que j'ai rencontré il y a quelques années avec des amis en commun à Londres, et qui a une super voix. Et je me suis dit, putain, ça serait l'occasion en fait de bosser avec lui. On va voir ce que ça donne. Donc je lui ai envoyé une démo d'un des titres, Bring Me Down. Je lui ai dit, est-ce que ça te dirait, je suis au Japon, on est en train de bosser sur un groupe avec mon ami Saki, est-ce que ça te dirait de faire un essai? Et puis il nous a renvoyé ça le lendemain, et on a écouté, on a fait putain c'est génial, c'est exactement ce qui manquait. Et là, en fait, si tu veux, dès lors qu'on a trouvé Archie, en fait tout s'est imbriqué et tout a eu du sens. En fait, on avait des morceaux qui partaient un petit peu, on se faisait plaisir, on n'avait pas de limite, premier album, donc en fait ça partait un petit peu à gauche à droite, on se posait pas la question si tu veux, mais une fois qu'il est arrivé, tout a pris du sens. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour le line-up. Et il y a Elise en invité parce que on se connaît pareil depuis un petit bout de temps. Et puis je sais que Saki est fan de Amaranth, donc j'ai vu Elise quand j'étais au Japon parce que Amaranth jouait là-bas au festival. Et du coup, ça m'a permis de relancer, de lui renvoyer un message quelques jours après, lui demander si elle voulait chanter sur l'album. Voilà, tu sais tout. Okay. Mais comment s'est passé le processus de création de l'album par rapport à ton travail sur Sinsenum ou... Alors Sinsenum, généralement c'est moi qui compose tout et puis je suis comme ça, voilà. Et puis après on voit comment ça fonctionne, je laisse aussi du champ libre à tout le monde si tu veux, mais généralement je compose tout chez moi, j'ai besoin de personne, machin, tout ça. En tout cas c'est comme ça que ça s'est passé sur les deux premiers albums et puis le EP. Pour Dragon Force c'était un petit peu la même chose, c'était soit on composait dans notre coin, soit on se retrouvait avec Sam et puis on essayait de bosser tous les deux. Ça marchait plus ou moins bien, ça dépendait des fois. Ça a bien fonctionné pour Maximum Overload. Reaching Into Infinity, il n'était pas très inspiré, c'est moi qui ai fait les trois quarts de l'album. Et puis là, pour le dernier, j'étais pas trop dedans et puis je voulais... Donc ça partait en sucette. Là, pour Amairu, on a commencé chacun de son côté, parce que bon, pour des raisons plus pratiques, si tu veux, puisque tout le monde est un peu éparpillé. Puis le Japon, je ne vais pas non plus y aller. J'y vais souvent, mais voilà, là... Quand on s'est mis d'accord sur le groupe et puis sur tout ce qui allait se passer, c'était en 2018, donc j'étais en pleine promo pour Sinsenum. Je devais partir en tournée justement, donc tournée qu'on a commencé à répéter en septembre et je suis rentré chez moi mi-novembre, un truc comme ça, enfin début novembre, je sais plus. Et bref. J'ai commencé à composer directement parce que j'étais très inspiré par ce par Amairu, par le fait qu'il y ait le Japon, tu vois, que je puisse composer du heavy metal mélodique comme je l'entendais, c'est-à-dire sans limitation de Dragon Force, parce que Dragon Force,
vu qu'il y a un nom, les gens attendent certaines choses. Et puis en plus, tu forcément, comme il y a d'autres personnes, tu es obligé d'avoir des compromis. Donc là, j'étais vraiment super content. J'ai dit, putain, je fais ce que je veux, youpi. Saki faisait ce qu'elle voulait de son côté. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, on allait dans la même direction. Ça qui était cool. Mais elle bossait sur Mary's Blood. Sur le nouvel album de Mary's Blood. Donc, moi, j'empilais beaucoup plus d'idées qu'elle, et je me suis dit, ça va être un petit peu déséquilibré. Ça serait bien qu'on finalise l'album ensemble, au moins, même si j'apporte plus de matériel, qu'elle, au moins, elle soit à même de, tu vois, d'y participer ou tu vois, de donner son avis. Et voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti au Japon pendant 3 semaines et on a bossé quasiment tous les jours, sauf quand elle avait des concerts avec Mary's Blood, et puis moi j'avais deux trois trucs à faire avec ESP. Et puis, mais sinon, on a bossé tous les jours, 8 heures par jour, dans un studio à finaliser les morceaux. Et ça s'est super bien passé. Moi, c'était un de mes rêves de composer ou de bosser sur un album au Japon, tu vois, pour y puiser l'inspiration. Alors, quelqu'un me posait la question la dernière fois, je ne sais pas à quel point, sur quel, tu vois, où ça a impacté, mais le fait d'être là-bas, le fait de me lever, d'être à côté du palais de l'empereur, d'aller faire mon jogging là-bas, forcément, tu es dans un autre état d'esprit. Donc ça, c'était vachement cool. Et puis, il y a des morceaux qu'on a. Donc on a ramené chacun ce qu'on avait et puis on a composé quelques trucs là-bas. Par exemple, Waves, l'instrumental court et calme, c'est simplement parce qu'on s'est pris une cuite la veille et du coup on était tout comme ça. Puis aujourd'hui j'ai pas envie de faire quelque chose de violent. Puis on a fait un truc très doux, un peu 70s et c'était vachement cool. Donc ça s'est passé comme ça au niveau de la. En tout cas, ouais, finaliser les morceaux. Et puis après, on envoyait tout à tout le monde, avec donc certaines directives quand même. C'est-à-dire que, bah tiens, par exemple, pour le clavier, je dis, bah tiens, ça serait bien si tu avais un truc comme ça ici. On avait des repères, mais aussi leur laisser de l'espace, parce que quand c'est des bons musiciens comme ça, c'est dommage de les brider. Donc, il y avait quelques consignes, et puis aussi pas mal d'espace. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Okay. Ça me fait un peu penser à ton travail, ce que tu as fait sur Reaching into the Affinity. Oui, tout à fait. Pardon. Ouais. Si, en fait, c'est bien, c'est ce que je dis des fois dans les interviews, les gens quand Amairu n'était pas encore sorti, les gens me demandaient à quoi ça allait ressembler. Je dis, si vous connaissez Dragon Force, si vous connaissez l'album Reaching into Infinity, ça peut vous donner des indices, parce que finalement, Reaching into Infinity, j'avais quand même pas mal de champ de. Enfin, j'étais assez libre de faire ce que je veux, mais il y avait quand même des limitations. Mais il y avait quand même là, on sentait plus ma patte que sur les autres albums. Donc forcément, c'est normal que tu fasses le parallèle entre les deux. Et puis j'essayais de tirer Dragon Force vers d'autres horizons. Je voulais, tu vois, je mettais un peu de prog, un peu de thrash, un petit peu. Et tout ça, on le retrouve dans Amairu sans les limitations power metal, etc. Donc c'est normal et je suis content quelque part que tu retrouves ma patte sur l'album de Amairu, puisque oui, c'est normal, c'est moi. Et comment ça s'est passé au niveau de la composition? Est-ce que tu es multi-instrumentiste? Tu as fait guitare et basse? J'ai fait guitare et basse, j'ai composé les mélodies de chant, la plupart des mélodies de chant, enfin ça dépend des morceaux, mais oui, je n'ai fait pas mal. J'ai joué un petit peu de synthé, mais je ne sais pas si ça a fini sur l'album. En tout cas, je sais en jouer, donc pour les démos, en tout cas, je m'en servais comme ça. Oui, j'ai fait basse et guitare, et c'est ce que je faisais un petit peu dans Dragon Force de toute façon. Là, par exemple, on parlait de Reaching into Infinity. Les morceaux que j'avais composés où il n'y a que mon nom, la plupart du temps, c'est moi qui joue les guitares rythmiques et la basse, et puis pas mal de guitares mélodiques. Les solos, après, c'était Sam et Herman, ou alors puis leurs petits zigouigouis à gauche et à droite pour faire que ça sonne comme du Dragon Force. Mais les rythmiques, c'était moi qui me les tapais. Donc pour la scène, tu vas prendre un bassiste de session? Pour la scène, alors oui, bon, on a encore le temps de voir venir, c'est ça qui est bien. Mais oui, je serai à la guitare, parce que c'est quand même mon instrument de prédilection. Après, je m'en fous, hein, si on. Mais
vu que je me suis vraiment éclaté à la guitare et qu'il y a beaucoup de moi, ça serait dommage de pas exploiter ça pour le live. Après, moi personnellement, je m'en fous maintenant. Avant, ça m'ennuyait un petit peu, j'étais frustré. Là, maintenant, clairement, d'aller sur scène, que j'ai une basse ou une guitare, je suis content d'être sur scène. Et puis, enfin, là, maintenant, tu me diras, dans la situation actuelle, même si j'allais sur scène avec un triangle, je serais content. Mais ce que je veux dire, c'est que j'apprécie les deux instruments. Il n'y a plus de frustration, etc. Là, simplement, c'est moi qui joue de la guitare sur l'album, autant que je le fasse sur scène, parce qu'elle est plus... elle est plus en avant que les parties de basse qui sont bien, mais qui suivent relativement la guitare, puisque c'était la guitare que j'avais en tête. Donc oui, on prendra un bassiste de session. Ou si tu veux, il y a comment il s'appelle, Samy de Creator, puisque quand on était quand on bossait sur l'album cet été, quand on bossait sur le nouveau titre, forcément, il écoutait l'album, il adore l'album, et il me demandait si j'avais un bassiste. Je dis, non, pour le moment. Il me dit, si vous faites des concerts, je peux jouer de la basse. Je dis, écoute, si tu veux, je pense que c'est pas comme ça que les gens t'attendent, mais on en reparlera. Donc, a priori, voilà, on a déjà un bassiste attitré. Donc, on verra comment ça se passe, mais oui, je serai à la guitare. Voilà. T'avais quoi en tête durant la composition de Ninja no Tamashi ? Des ninjas et du Tamashi. Non, j'étais... en fait, c'est l'un des premiers morceaux qui m'est venu sachant ce que j'allais faire. Il y avait des trucs que j'avais composés avant, le refrain de Hours, des riffs de Lucky Star ou de Innocent. Ça, c'était des trucs que j'avais d'avant, tu vois, que j'ai remis là parce que, ça irait bien là-dessus. Mais le premier morceau que j'ai composé, une fois rentré en France, je partais en vacances avec ma femme, on prenait le train pour aller en vacances en France, car c'est bien aussi la France. Et du coup, j'étais assis, le train était encore à quai, et j'ai eu une idée, je me suis dit, waouh, attends, paf. Et donc je suis allé enregistrer ça sur mon téléphone. J'avais en tête... je sais pas en fait, si tu veux, c'était, je savais que je faisais ça avec Saki, je savais qu'on jouait tous les deux de la guitare et qu'il y avait des influences asiatiques, japonaises. Donc en fait, tout ça, ça m'a donné un postulat de départ. Et puis après, j'aime bien m'y reconnaître, retrouver mes influences dans la musique que j'écris. Donc là, en fait, Je me fais toujours plaisir un petit peu, si tu veux, avec les choses avec lesquelles j'ai grandi. Donc là, il y a du Satriani, il y a aussi du Death, le groupe. Il y a pas mal de choses comme ça que j'ai essayé d'intégrer. Alors il y a du un peu de prog, un peu de trucs années 70, un peu de death metal, un peu de tout ça. Et puis en tram, effectivement, au bout d'un moment, quand tu commences à poser tes idées comme ça, tu dis il faudrait que tout ça ait un sens. Et visualiser un peu le côté un peu ninja, la plaine. Le titre, en fait, traduit mot à mot, ça veut dire Ninja Spirit, comme le jeu vidéo. Voilà. Je ne sais pas si tu y as déjà joué, ça date des années, fin des années 80, sorti chez Irem, en bande arcade aussi. J'avais ça, donc c'est pour ça qu'il y a le passage avec le Shakuhachi, là, qui est un vrai joueur. Kifu, je ne sais jamais son nom, mais il est écrit là, je ne retiens jamais. Attends. Kifu Mitsuhashi, voilà, qui est donc il a 70 ans, il n'est pas du tout métal, il n'a pas de tatouage, etc. Mais Saki l'a contacté pour faire le solo de flûte japonaise. Et donc voilà, ouais, j'avais un petit peu ce côté, j'adore les jeux vidéo et puis j'adore le Japon, donc j'avais, tu vois, cet esprit un peu ninja spirit comme ça, dans la plaine, voilà. Donc j'avais ça, et puis ça aide du coup à mettre le morceau ensemble, quoi, tu vois, l'intro, c'est un petit peu, c'était inspiré de Furio, le film, la musique de Ryuichi Sakamoto, qui jouait dans Yellow Magic Orchestra. Bref, je m'éloigne. Tu vois, le jour se lève sur la plaine, paf, et puis hop. En fait, tu te fais ton petit film c'est ce que je fais aussi pour des morceaux où il y a du chant. Mais là, comme c'est instrumental, c'est bien de pouvoir se créer des images comme... par exemple, sur Fear of the Dark, le morceau Fugitive,
quand j'étais jeune, quand il chante au début, et tu vois, quand il fait On a cold October morning. Moi, ça y est, je voyais la plaine comme ça, avec la brume et tout, je la voyais là. Et donc, c'est ça que je visualisais. Voilà. Alors après, là, je l'explique. C'est bien aussi si les gens interprètent. Je sais pas, que toi, quand tu as écouté ça, à quoi ça te faisait penser? Ça me ferait un peu hein, tout ce qui est film d'animation Ghibli. Ouais, d'accord, Et cool. justement, ça ferait un bon opening de manga, je trouve, d'animé. Ah ben, carrément, carrément. Je trouve que le morceau est bien, il est énergique. Et puis effectivement, il y a quand même, il y a des touches japonaises, le rythme. Mais de toute façon, voilà, comme je te disais, comme je savais ce qu'on allait faire, forcément, ça a influencé mon, j'imagine, la création, ce qui sortait. Mais oui, les studios Ghibli, cool, très content. Et au niveau des thématiques de l'album, c'est quoi? Au niveau des paroles, ça parle un petit peu de. Il n'y a pas un thème, ça c'est certain. Encore une fois, je me laisse. Généralement, j'écris la musique. Bon, je sais pas, généralement, c'est toujours. Je crois pas que ça soit déjà produit dans l'autre sens. J'écris la musique et ensuite, voilà, je laisse venir à moi les images. Si j'écris de la musique et que je sais déjà de quoi ça va parler, tant mieux. Mais si ça se fait au fur et à mesure ou une fois que vient le moment d'écrire des paroles, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, c'est tout simplement des choses qui soit m'intéressaient ou nous intéressaient, puisque j'ai coécrit pas mal de titres avec Archie au niveau des paroles, soit des thèmes, soit un mot. Tu vois, par exemple, Vanguard, c'est un morceau qui vient de Saki à la base, c'est elle qui a amené les premiers riffs, et puis son titre de travail, c'était Vanguard. Donc je dis, bah tiens. Si elle a pensé à ça, c'est bien que tu vois, elle avait quelque chose en tête qui a fait que. Donc moi j'ai développé, sans pour autant lui demander ce à quoi elle pensait, j'ai développé là-dessus. Donc en fait on a parlé de ça. Samouraï, du coup autant parler de Samouraï parce que je sentais qu'il y avait un côté, tu vois, un peu justement, je trouvais que c'était cool. D'ailleurs au passage, le morceau Samouraï, il a failli ne pas s'appeler Samouraï parce qu'elle elle trouvait que c'était c'était un petit peu naze, parce que pour nous, tu vois, français, on est comme ça, samouraï, génial. Enfin, les gens qui sont pas japonais, je dis, oh, génial, les samouraïs. Mais chez eux, tu vois, c'est un peu comme si tu faisais un titre, je prends toujours le même exemple, mais c'est un titre qui s'appelle Escargot pour nous. Enfin, tu vois, tu seras un peu genre. Chevalier. Ouais, voilà, ouais, oui, ouais. Non, mais vraiment, c'est que non seulement les chevaliers, c'est connu, mais là, en plus, c'est un cliché du Japon, des films, etc., le samouraï. Donc, elle était un peu comme ça, elle me dit, ouais, je suis pas sûr. Je dis, mais. Dis-toi que le reste du monde trouve que les samouraïs sont cool. Vous vous êtes habitué, peut-être que vous voyez des samouraïs à l'école le matin, mais nous on est encore chaud, tu vois. Et du coup, elle a demandé autour d'elle, et puis finalement, elle est revenue, elle dit non, bah bon, ça a l'air d'aller en fait. Et puis c'est un des morceaux que les gens préfèrent en fait, donc il est bien. Et du coup, voilà, j'avais ce titre. Truc violent, le refrain, je me dis putain, génial, samouraï. Donc, du coup, tu développes là-dessus. Après, pour les autres titres, WTTP, ça veut dire Welcome to the Party. Bah, ça, c'est moi qui ai écrit les paroles parce que c'est autobiographique. Quand il est 7 h du mat, et puis que tu es encore bourré, tu es encore réveillé, et puis voilà. Quoi d'autre? Il y a pas mal de morceaux. Bringing Me Down, ça peut être interprété de deux manières. Ça peut être politique ou ça peut parler aussi de relations avec des gens avec lesquels tu travailles, dans des groupes, etc. Bref. Le morceau Hours, c'est une histoire d'amour qui il se passe plus grand-chose, mais finalement, ils ne veulent pas se quitter. Donc voilà. En fait, c'est des thèmes qui parle aux gens et puis qui nous parle à nous en fait. Donc on n'a pas, tu vois, il n'y avait pas de grande prétention. Je prends souvent les exemples aussi de Alice Cooper. J'adore l'album Hey Stupid. Et les paroles en fait, bah, ça parle un petit peu de choses et d'autres. Il y a des trucs, ça parle un peu des fois de faire la fête, des trucs un peu plus. Ça parle un petit peu dans tous les sens. C'est pour moi c'est ça ce qui se passe sur l'album. Voilà, ça parle un petit peu de choses qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on a vécues ou des impressions qu'on a. Voilà. Archie Wilson, il arrivait en dernier sur les morceaux pour enregistrer. Quand arrivait le moment d'enregistrer, il était déjà intégré. Dans l'ordre, après, si tu veux être spécifique, dans l'ordre des comment on empile le sandwich. Oui, c'est la voix qu'on met en dernier. Mais celui qui est arrivé le dernier dans le groupe,
ça serait plutôt Mike, puisque on savait que Archie ferait partie du groupe. Sean était encore censé faire de la batterie. Donc c'est Mike qui arrive en dernier. Pour les enregistrements, c'est Archie qui était le dernier. Dernier de loin d'ailleurs, puisqu'il était à la bourre. Donc voilà, c'était vraiment le dernier. Voilà. Est-ce que tu as une idée de faire un featuring avec un artiste japonais en chant? Par exemple, un des chanteurs de Maxime Zerman? Pas pour le premier album, on ne s'est pas posé la question. Pour le prochain, effectivement, ça pourrait être intéressant. Ça serait une piste, parce que là, on a joué beaucoup au niveau du chant, en tout cas, sur y a Elise et puis Archie qui est anglais. Donc, c'est effectivement une piste qu'on n'a pas suivi pour le premier album, on pourrait faire ça. Dès le départ, on s'était dit qu'on ferait du chant en anglais, parce que je parle pas japonais, voilà. Et puis comme je voulais bien comprendre tout ce qui se passait, et puis que je voulais écrire des paroles, j'allais pas me perdre là-dedans. Je voulais pas que ça s'éparpille et que ça ne m'appartienne plus. Dire que l'anglais, c'est la langue commune à tous les protagonistes. Mais effectivement, avoir du chant japonais, ça pourrait être intéressant. Alors, Maximum The Hormone, ou moi, j'adorerais bosser avec. Alors, je sais pas si Saki les connaît ou si on peut rencontrer. J'adore la chanteuse du groupe Onmyoza. Je sais pas si tu connais. C'est un super groupe de metal japonais. Onmyoza. Et donc, voilà, j'adorerais bosser avec elle. Ça serait vraiment cool. Donc bref, à voir. Là, tout ce que je sais pour le prochain album, c'est que Kun a écrit quelques trucs et qu'on s'est promis avec Saki de faire un morceau qui s'appellerait Baguette, justement, puisqu'on a fait, on a fait un morceau qui s'appelle Samouraï et puis l'autre avec Ninja. On a dit qu'on ferait du côté français maintenant. Donc pour le titre Baguette, si jamais il se fait, je verrais bien une instrumentale et je verrais bien Neta Skog qui jouait de l'accordéon dans Tourisas. Et après, qui a joué avec, je crois qu'elle jouait dans Ensiferum, il me semble. Donc, une pote à moi. Et je pense que je lui demanderais bien pour faire un petit peu de. Donc, bah, ça, c'est les idées que j'ai pour le moment. On verra si ça se fait ou pas. Mais ça pourrait être sympa. Et comment ça s'est passé pour l'enregistrement, le mix et mastering? Alors, l'enregistrement, chacun a fait de son côté. Parce qu'une fois que nous, on avait bien tout défini avec Saki, c'était simple. J'avais pas besoin d'être derrière les gens. Puisque comme je te disais, je donnais quelques. C'est moi qui ai produit l'album, donc j'étais un petit peu au four et au moulin. Donc je surveillais tout, mais comme je te disais tout à l'heure, il fallait aussi laisser un petit peu de la liberté aux musiciens parce qu'ils sont excellents, donc il faut qu'ils puissent s'exprimer comme ils l'entendent. Donc chacun avait son home studio, c'est ça qui est cool. Donc tout le monde pouvait enregistrer. Et puis il y avait beaucoup de. Comme je centralisais tout, pardon, je recevais les pistes. S'il y avait des questions, tu vois, il y avait pas mal. Des fois, il y en avait beaucoup plus que nécessaire. Par exemple, pour Kuhn, il m'envoyait plein de trucs. Puis il me disait, bah écoute, s'il y a des trucs qui t'intéressent pas, tu les mutes. Ou alors je le rappelais et je lui disais, tiens. Tu vois le passage là, ça serait, c'est pas ce que j'avais en tête. Est-ce que tu pourrais, blablabla. Donc en fait, ça s'est passé comme ça, mais ça s'est passé vraiment tranquille. Le seul truc qui était stressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était Archie qui était un peu à la bourre parce qu'on avait quand même des deadlines à respecter. Puis il avait été un petit peu à la tranquille. Puis c'est un chanteur, il faut pas les brusquer, c'est une race à part. Mais sinon, non, c'était vraiment, c'était relax quoi. Tu vois, bon moi je m'entendais bien avec moi-même, donc ça va. Avec les autres, c'était très cool, comme je te dis. Quand il y avait un truc qui n'allait pas, et comme tout le monde pouvait éditer chez soi, c'était super simple. Mike, il y avait un passage, le passage dans Ninja no Tamashii, avec le solo de flûte. À la base, lui, il avait mis une cloche, tu vois, une belle, ding, 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 ding. Et je disais, mais ça ne va pas du tout. Et lui, il était persuadé que c'était bien, donc il m'avait envoyé les deux versions que j'ai gardées jusqu'à ce qu'on aille au mix. Et là, on s'est tous regardés, puis on dit qu'il allait se faire foutre avec sa cloche. Mais puis il m'en parle encore, en fait. Il me dit, ouais, la cloche, la cloche. Mais bon, c'est tout. Mais donc, ce que je veux dire, c'était très simple. Il y avait pas mal d'allers-retours. Mais c'était, voilà, ça s'est super bien passé. Et pour le mix et le mastering, ben, on a bossé avec mon ami Jens Bogren, donc avec qui j'ai déjà bossé
avec Sin Senum et avec Dragon Force, et qui a déjà bossé avec Creator, donc tout ça c'est une grande famille. Et puis bah voilà, donc en fait, on lui envoyait les morceaux. Une fois que j'avais tout centralisé, tout nettoyé, machin, tout ça, hop, j'envoie ça en Suède. Et puis on s'est retrouvé là-bas avec Saki. Le lendemain du Hellfest, je prenais l'avion. Alors le Hellfest, t'imagines, j'étais comme ça. En plus, le Hellfest, je fête mon anniversaire à chaque fois, donc j'étais comme ça. Hop, je suis parti là-bas. Et puis on a finalisé le mix ensemble. Et ça a été masterisé, pareil, au Fascination Street Studio. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote du moment où tu as travaillé avec Saki en studio de répète? Bah, alors, donc il y a déjà la fois où on a picolé trop la veille, et puis le lendemain on n'avait pas la pêche, on n'avait pas la foi de faire quelque chose de violent, donc c'est là que le morceau Waves est né. Je m'en souviens très très bien, c'était vraiment cool, tu sais, ça faisait un petit peu, on était en mars, mais ça faisait un petit peu après-midi d'hiver, tu sais, quand t'es comme ça. Avec une laine, et puis t'as chaud, puis t'es, tu vois, avec un thé comme ça. Donc on a fait ça comme ça. Donc ça c'est bien, c'est des moments qu'on n'oubliera pas, et c'est des choses que qui peuvent pas, enfin si, j'aurais pu très bien prendre une cuite avec des potes et puis composer un morceau le lendemain. Mais là c'est des choses qu'on a vécues ensemble, c'était cool. Pareil, puisqu'on est sur les dossiers alcool, on est sorti un soir. Donc dans Shinjuku, qui est un quartier de Tokyo, et on est allé dans un bar qui s'appelle Deathmatch in Hell. Tu peux mettre 5 personnes dedans, grand max, et c'est rempli de films d'horreur. Il y a une petite télé avec des films, donc il y avait Past Cannibal Holocaust, Evil Dead, voilà, et avec du gros death metal. Donc c'est génial. On s'est pris une tôle, mais pas possible. Et du coup, le lendemain, on reparlait de ça, en rigolant. Et puis, on parlait de films d'horreur, parce qu'on est tous les deux fans de films d'horreur. Et par contre, on n'avait jamais parlé du groupe Goblin. Et du coup, comme on devait faire des bonus, on avait vu avec le label, il nous disait, bah, tiens, il faudra un bonus pour le Japon, un bonus pour l'Europe, etc. Donc on était comme ça, on dit, ah, ok, bonus, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis, on en est venu à parler de, comme on était allé voir le bar avec les films d'horreur, on est venu à parler de ça et du groupe Goblin. Et c'est pour ça qu'on a fait le morceau Zombie. Donc, c'est sur la version européenne, c'est ça le bonus. Voilà, qui a un morceau donc, de Goblin. C'est la BO tiré de la BO du film Zombie. Et puis bah sinon non, c'était, je te dis, c'était très cool. On était en fait, on avait demandé au label japonais de nous garder leur salle de conférence, et on y avait installé des enceintes. J'avais ramené mon ordi, mon petit synthé, il est où? C'est un tout petit synthé, il est là. Mon petit synthé portable. Voilà. J'avais ramené ma carte son. ESP m'avait filé des instruments. Et puis on bossait 8 heures par jour. Donc eux, j'imagine que le label, tu vois, parce que c'est quand même eux, c'est eux qui avancent l'argent, tu vois. Ça les rassurait parce qu'au moins. Puis moi, je me sentais redevable aussi. Je me dis, si je viens au Japon, c'est bien au moins qu'ils puissent voir qu'on est en train de faire quelque chose. Pas, je suis au Japon et puis. On bosse pas, tu vois, ils le savent pas. Là, c'était rassurant pour tout le monde. Et puis, nous aussi, ça nous donnait une structure. Donc, voilà, on se retrouvait à, bah, j'en sais rien, 14-15 heures. Et puis, on bossait jusqu'à 22-23. Là-bas, comme ils bossent à l'international, en fait, le bureau était ouvert jusque tard. Donc, on bossait. Et puis après, bah, soit on allait boire des coups, soit on allait manger. Mais c'était, ouais, c'était cool. C'est des anecdotes qui me viennent comme ça, mais forcément, voilà, moi je bossais mon japonais avec elle. Elle faisait une allergie au pollen. Alors, il y a des fois, je voyais plus ses yeux, elle avait son masque et tout, elle avait les yeux qui étaient tout gonflés et tout. Donc, ça, c'était sympa. Mais non, non, en fait, on a passé vraiment des bons moments, c'était vraiment cool. Voilà. C'était quoi tes inspirations sur le projet? Parce que j'ai trouvé l'album assez dansant. C'est Ouais. pour ça aussi au niveau musique d'animé. La Seventies aussi. 70s. Alors, ouais. Alors, musique animée, ça, je sais pas si c'est parce que j'étais au Japon et puis que du coup, ça me. Ou que je savais, encore une fois, qu'on allait exploiter ce côté japonais, asiatique de la musique et que du coup, ça venait dedans. Il y avait certains trucs, je me souviens discuter avec Saki de certains rythmes parce que j'ai le.
le DVD de comment il s'appelle ce groupe, X Japan, de Last Live ou Last Tour, tu sais, c'est la grande scène au Tokyo Dome là, en X machin, et ils arrivent et le premier morceau c'est Rusty Nail, il me semble. Et en fait, t'as tout le public, ils ont des bâtons comme ça, ce qu'on appelle glowing stick, enfin tu sais, un bâton qui brille comme ça de couleur, et ils le bougeaient tous sur le 1, sur le 2 et le 4, comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui moi m'avait marqué. Je disais, c'est le rythme du glowing stick, tu vois. Et je pense que inconsciemment, les morceaux Innocent, Hours, ils ont ce. Et puis Ninja no Tamashi, tu vois, il y a cette énergie en fait qui était dedans. Donc, c'est peut-être le côté dansant, tu y trouves aussi parce que. Quand on parlait du style, je ne voulais pas faire un album uniquement avec des tapis de double tout le temps et puis perdre ce côté groove que je ne retrouvais pas en musique, en tout cas à la période, puis même de manière générale. Un truc un petit peu dansant, sexy, à la Extreme, Whitesnake, c'est un peu, enfin, un truc cool, quoi. Et je trouvais que c'était bien aussi le fait que Saki soit là et qu'elle joue dans Mary's Blood et Nemophila, c'est des groupes de métal, tu vois, ça speed, etc. Mais je voulais un petit peu exploiter aussi ce côté un peu sexy, tu vois. Je trouvais que c'était cool d'avoir une fille dans ce style là, donc ça s'est passé un petit peu comme ça. C'était ça l'idée de départ. Je me dis, je veux faire des trucs un petit peu groove, exploiter le côté années 70. C'est pour ça que j'avais dit à Kuhn pas mal de fois, essaye d'utiliser des sons 70s, du Hammond, du Moog, je sais même comment on dit, mais pas mal de sons comme ça qui sonnent un petit peu organiques. Et du coup, voilà. Et il a aussi utilisé des sons qui sont contemporains. Et ça, ça vient de lui et aussi de Saki. Par exemple, l'intro de WTTP, c'est Saki et lui. Ça serait jamais venu parce que c'est pas vraiment des choses que j'écoute. Mais j'adore le résultat. Donc, c'est ça qui était cool aussi, c'est que chacun a porté sur la table. Donc, voilà. Donc, ça, moi, en tout cas, du côté de mes influences, c'était ça. C'était... des trucs groovy, rythmiques, et puis ouais, une bonne dose aussi de trash et de prog, voilà. Est-ce que tu as intégré genre des chorégraphies pour la scène? Non. Non, pas vraiment. Quand on a fait le clip, là, on s'est dit, tiens, on va se mettre dos à dos à ce moment-là, et puis sur le morceau WTTP, on dit « moving to the left, moving to the right ». Circling round and round. Je trouvais que c'était marrant en fait d'accentuer ça, de le faire sur scène, parce que nous on se fend la gueule. C'est pas quelque chose, on était comme ça, genre putain c'est génial, ça c'est trop fort, ça c'est puissant. Tu vois, je trouve que c'est bon enfant, comme le morceau est dansant, que les paroles sont pas sérieuses. Je trouvais que c'était bien d'avoir quelque chose de relativement léger, sans pour être autant débile, tu vois. Et même s'il y a peut-être des gens qui pensent que c'est débile, mais en tout cas c'était pas prévu comme ça. Du coup, ça, c'est des choses que oui, on pourra faire, refaire sur scène. Mais encore une fois, on a le temps de voir. Mais sinon, non, j'ai pas prévu de. C'est pas baby metal. On va pas faire de trucs comme ça, se cacher. Coucou, c'est moi le ninja. Coucou, c'est moi le samouraï. Même si ça pourrait être drôle, mais je me vois pas faire ça. Non, j'ai passé l'âge. Tu peux me parler de la pochette de l'album, du choix? Redis-moi. Le choix de la pochette de l'album. La pochette, donc on a bossé avec Travis Smith, qui a bossé avec Sincenom, avec qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait Opeth, Catatonia, il a bossé avec Megadeth, pardon, Death, enfin bref, il a fait plein de trucs, je m'entends bien avec lui, et puis c'est le concept vient de moi en fait. Je voulais quelque chose de très simple. Alors, on discutait avec le label japonais parce que eux, forcément, tu vois, encore une fois, le label, c'est toujours lui qui finance, donc ils ont quand même des droits de regard sur certaines choses, ils donnent des suggestions. C'est pas pour ça qu'on est obligé de faire comme ils veulent. C'était le cas là, ici, puisque eux, ils imaginaient un logo un peu plus... un truc un peu plus... En fait, eux, ils voyaient ça plus métal que ce n'était. C'est-à-dire que quand on développait la musique, ce qui nous intéressait, c'était justement ce côté moins... même si l'album est métal, hein, donc je ne voudrais pas non plus dire n'importe quoi ou me perdre, mais
ce que tu as retenu, tu vois, le côté dansant, côté rythmique, côté c'est plus ces éléments-là qui nous parlaient. Donc au final, pas l'élément métal en premier, mais plus l'élément musique. Et puis moi, je visualisais quelque chose de simple, d'iconique, parce que c'était le premier album et je voulais un, tu vois, pas un truc fouillis, aux antipodes aussi de Dragon Force, avec des trucs, des machins, et puis un monstre ou un dragon. Tu vois, je voulais faire quelque chose de sobre, de joli, un logo plutôt fin, avec des courbes qui rappellent les katakana, ou les hiragana, pardon. Donc ça, c'est le logo, c'est on a mis Philippe Eudes qui a fait ça, qui a bossé sur le logo de Sinsenum. On ne dirait pas, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est plus. Mais il aime cet univers-là aussi, donc c'est cool, il a bien compris ce que je voulais. Et puis donc pour la pochette, bah, j'avais visualisé, je savais que ça serait, il fallait que ça soit vert. Je voulais du vert et je voulais quelque chose de simple. Un truc, tu sais, comme un début de film, tu vois, Excalibur, mais à la japonaise. Donc un katakana, un katana, pardon, planté. Une lumière, une forêt, la nature, tu vois, des éléments. Justement, ça fait pas métal quand tu vois ça. Tu dis pas, tiens, voilà, c'est le nouveau Morbid Angel, ou tu vois ce que je veux dire? J'ai rien contre ça, hein, j'adore. Je veux dire, dans Creator, tu vois, on utilise cette imagerie, ou même. Mais là, je trouvais que c'était l'occasion de sortir un petit peu de l'esthétique, ou en tout cas d'en proposer une, parce que c'est un premier album, donc tout est, tu vois, c'est toi qui définis les trucs. Et donc voilà, de faire une esthétique un peu clean, et puis un petit peu qui laisse un petit peu qui laisse la place à l'imagination. Donc voilà, je trouve que c'est très joli. Alors peut-être que c'est pas super comme t-shirt, mais c'était pas pensé dans cet esprit-là, et je m'en fous. Mais peut-être que ça fait un beau t-shirt quand même, c'est vert. Voilà. Non, ça peut le faire. Bah oui. Et parle-moi des clips au niveau de Hours et Welcome to the Party. Qu'est-ce Ouais. que tu typais, ce que tu voulais dire avec les clips? Alors, je voulais pas dire grand-chose, puisqu'en fait, les scénarios nous ont été proposés par le mec qui a filmé. Là, tu vois, autant j'avais la mainmise sur pas mal de choses. Au bout d'un moment, j'ai dit non, c'est bon, je peux pas non plus. Je vais pas être au four, au moulin, à la. Enfin, j'en sais rien. Voilà, faut savoir se limiter de temps en temps. Donc, en fait, ils nous ont proposé ces scénarios. J'ai eu mon mot à dire quand même. J'ai dit bon, ça fait blablabla. Mais c'était. Je pense que ce qu'on voulait faire, c'était justement, puisqu'on joue sur ce côté l'Est rencontre l'Ouest, tu vois, enfin l'Orient, l'Occident, jouer sur cette dualité-là avec Saki et moi, homme-femme, Japon, France, enfin Occident. Du coup, c'était l'occasion de faire une espèce de carte de visite de Tokyo. En plus, moi, ça me va bien, puisque c'est vraiment une ville que j'adore. Donc il y a des gens qui l'ont vu, ça, qui l'ont souligné. Je l'avais même pas, c'était inconscient, mais effectivement c'est ça, c'est un peu pas une lettre d'amour, puisque c'est une vidéo, mais pour une ville que j'adore vraiment. Donc ça permet de la voir. Et puis Hours, il y a un côté un petit peu mélancolique à la Lost in Translation. Donc c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que on n'allait pas jouer un coup, parce qu'on n'est pas un couple dans la vie, donc je n'avais pas l'intérêt de faire de refaire les paroles du titre, et puis faire comme si on était ensemble et puis qu'on se prenait la gueule. C'est pas ça. Donc il fallait en jouer un petit peu, se sortir des paroles, et puis faire quelque chose d'un petit peu mystérieux. C'est pas super défini comme histoire, et puis c'est tant mieux, parce qu'il y a pas, c'est des scènes, des longues scènes, c'est un peu mélancolique, tu vois, des longs travelling et tout. Enfin, je trouve que la vidéo est réussie, elle est bien. Et puis pour Welcome to the Party, là c'était un peu plus fun. J'avais suggéré de faire gagner à des fans japonais, parce que à la base, les vidéos, ils voulaient que je m'en occupe et que ça se passe en France. Et puis bah, en fait, j'avais d'autres chats à fouetter. J'ai dit non, je suis pas dans mon élément. Je préfère que vous fassiez ça au Japon, parce que là, ça aurait été pratique en France, mais c'était pas pratique pour d'autres raisons, notamment parce que c'était à la période où je bossais avec Creator et tout. Donc bref, toujours est-il que ça s'est fait au Japon, et c'est tant mieux. Et du coup, voilà, donc faire gagner à des fans japonais le droit de participer à la vidéo.
Donc c'est pour ça qu'en fait on est sur une petite scène dans un club qu'on avait loué, et puis les fans ont dû se taper le morceau 7 ou 8 fois, mais ça va, ils étaient contents. Et puis entrecoupé de scènes, bah, encore une fois, dans Tokyo, parce qu'autant en profiter, puisqu'on y est, ça aurait été con de. Enfin, moi je trouvais que c'était con de rester dans un hangar, tu vois, je voulais profiter de ce côté des paysans. Et donc c'est pour ça, bah, il y a des scènes où on est dehors, on est en train de faire la fête, puisque c'est ça aussi mon Tokyo, c'est que quand j'y vais, je fais la fête beaucoup, et puis les paroles parlent de ça. Et puis où j'étais sur des comment dans une guitare dans une guitare dans une voiture décapotable avec ma guitare, avec on voit la Tokyo Tower. C'était rigolo, c'était en plein le Covid commençait, donc je me suis pris un bon coup de froid en plus, donc je toussais, je mettais mon masque entre les prises, mais c'était cool, c'était fun, et c'était encore une fois profiter de ce côté japonais de la chose. Donc encore une fois, voilà, peut-être que le prochain album, ça sera à la Tour Eiffel, ou dans un resto, tu sais, avec des escargots, et puis des qu'est-ce qu'on mange, des cuisses de grenouille, et de la baguette et du fromage, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'était ça permettait de faire deux choses en même temps, donc d'exploiter ce côté asiatique qui nous est cher, moi qui me fascine de toute façon, et puis faire quelque chose de bien, voilà. Et là, tu composes sur quoi en ce moment? Parce que là, tu viens de vivre un deuil récent. Ouais. Peut-être d'aller plus vers du Shinsenum. Bah alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas facile de canaliser ces sentiments-là. Donc, Shinsenum, c'est plus énervé. Et là, je suis pas énervé, je suis plutôt triste. Donc, j'ai du mal à transformer en colère. Mais heureusement, j'avais composé pas mal de titres avant. Là, je suis en train de les réécouter. J'ai réécouté ce matin en faisant mon sport, et je trouve que il y a vraiment du bon matériel. Donc, j'ai eu Stéphane au téléphone tout à l'heure. On va se voir en janvier pour finaliser tout ça. J'ai composé l'intégralité, et puis on va bosser ensemble. J'aimerais bien qu'il gère un petit peu le côté production, arrangement, etc. Comme ça, c'est bien. Ça m'évite d'avoir le nez trop près de la feuille. Donc voilà, parce que j'ai essayé de recomposer là ces derniers temps, et c'était pas exactement ce que je voulais. Là, il faudra encore que je fasse un autre groupe. J'ai pas le ça va, j'en ai assez pour le moment, donc on verra. Mais j'ai composé des trucs, évidemment, c'est forcément ce qui t'arrive en dehors. Enfin, en tout cas, pour ma part, quand il m'arrive quelque chose, ou enfin, chaque élément de ma vie se transforme en musique, sans ma musique s'en ressent. Donc là, j'avais essayé justement, je me suis dit, bah tiens, ça va être cathartique, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et puis, bah, c'est pas, je sais pas, je réécouterai. Là, j'ai laissé un petit peu tomber. Voilà, je me suis plutôt concentré sur les morceaux que j'avais déjà. Et puis, il y a donc Sinsenum, Creator. On a bossé pendant l'été. On a passé pas mal. Je passais 2 semaines en Allemagne et 2 semaines en France pour faire mes cartons pour le déménagement. Donc c'était un été assez chargé. On a fait ça en juillet, août, septembre et octobre. Donc on a bossé sur pas mal de titres. Bah pour le, y a pas gros, enfin, je ne vais pas en dire plus que ça pour le moment, mais c'est cool, on est vraiment content. Moi, je suis très content de toute façon d'être dans Creator, parce que c'est plus mon style forcément. Et puis, donc on bosse, on a quoi? On a 11 titres de près. Et puis, bah, comme la période est un petit peu, tu vois, il y a pas mal de points d'interrogation, on prend notre temps, parce qu'il n'y a pas de, y a rien qui nous presse pour une sortie, tu vois, il n'y a pas de festoche l'année prochaine, enfin, moi, pour moi, il n'y en a pas. Donc, on prend notre temps, et puis on va faire un album qui déchire, et pour le moment, c'est bien parti, ça, c'est cool. Amaïrou, j'ai donc quelques idées. Hier, je rejouais le morceau Innocent, et puis du coup ça m'a fait dévier vers d'autres trucs, donc ça c'est pareil, prendre le temps. Là pour le moment, je prends du temps pour moi, pour me reconstruire un petit peu. Love Blast, bah, là il vient de sortir, et puis c'était Stéphane qui avait beaucoup composé, donc je sais pas quand il va remettre la machine en marche, et puis on verra à ce moment-là, mais je préfère que ça soit lui qui s'en occupe, parce que j'aime bien, moi je suis fan du groupe à l'époque où c'est lui qui composait. Donc c'est ce que je lui avais dit pour cet album-là, je dis j'aimerais vraiment que ça soit toi qui t'en occupe, en fait. Je veux pas me
proposer des trucs alors que je préférais que ça vienne de toi. Donc moi, c'était plus le fan qui parlait comme ça. Et puis bah voilà, sinon là demain, il y a une vidéo qui sort avec Sepultura. Tu sais, ils font des sessions quarantaine là. Et donc demain, j'ai enregistré Slaves of Pain, voilà, avec eux. Donc je suis très content parce que Sepultura, c'est pareil, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Je dis le jeune ado que j'étais et que je suis encore, si on m'avait dit que je jouerais dans L'Oblast Creator et que je ferais un morceau avec Sepultura de mon album préféré Beneath the Remains, j'aurais dit ouais, je sais. Non, non, j'aurais dit non, c'est pas vrai. J'aurais dit ah ouais, putain, la classe. Donc je suis content et ça, c'est bien. Ça permet de. Toutes ces choses-là permettent de terminer une année de merde sur des notes un peu positives. Et au niveau de Cynique, ça se passe comment? Parce que la question en ce moment ne se pose pas. Mais tu vas faire comment pour gérer entre Creator, Loudblast, Amaero au niveau de la tournée? Et c'est une scène, hein, t'allais oublier. Je pense que ma priorité, elle se fait de manière logique, c'est-à-dire que Creator, c'est le groupe qui est le plus en demande parce que c'est celui qui a le plus de. Donc voilà, donc c'est Creator qui aura ma priorité. Pour le scénique, j'entends, hein, pas pour le. Comment, du côté artistique, en fait, chaque groupe pour moi est aussi important l'un que l'autre. Après, c'est vraiment les demandes scéniques. Un groupe qui vient de sortir comme Amaïrou, je ne vais pas le privilégier à Creator, ça serait stupide. Et puis voilà. Néanmoins, il faut qu'il existe aussi. Alors, moi, ça ne me dérange pas personnellement, parce que je ne suis pas un grand fan d'aller voir des concerts. J'y vais quand j'habitais sur Paris, j'y allais parce que c'était là et c'était pratique. Et puis c'est des potes et youpi. Mais là, j'ai déménagé. Je ne suis pas en train de me dire, ah merde, quand est-ce que je vais pouvoir revoir des concerts? Ou j'ai des potes qui me disent, ah, j'ai des billets pour l'année prochaine, j'espère que ça va être maintenu, tel concert, voilà. Clairement, moi, voilà, m'en fous. J'adore faire des concerts, aller les voir. Ça va, j'en ai vu assez. Mais je m'éloigne. Ben on verra comment ça se passera. Pour l'Oblast, quand je suis là. De toute façon, ils sont prévenus, hein. Quand je suis pas là, il y a mon double maléfique, Jacou de Black Bomba, qui me remplacera. Et Izzy gagne le change parce que c'est un meilleur bassiste que moi. Non, puis, enfin, par contre, il parle beaucoup, donc c'est tout. Tu vois, Izzy gagne, mais il perd un peu. Et puis Sincenom, bah c'est pareil. Sincenom, tout le monde est occupé, donc là c'est pareil. Tout comme Amaïrou, en fait. Amaïrou, ce qu'on s'est dit, c'est que on ferait des concerts tant qu'il y a Saki, Archie et moi qui pouvons nous libérer, on pourra faire des concerts. S'il en manque un des trois, c'est pas la peine. Et là, pour Kuhn qui joue dans Epica et Mike dans Fear Factory, pareil, c'est très difficile. Tout le monde est un peu compliqué, donc on se donne des. Tu vois, on s'est dit bon, au moins si on a les trois là. Parce que la voix, tu peux pas vraiment la remplacer. Et puis, comme les guitares sont assez, on le devant sur le groupe. Et puis, c'est nous deux, Saki et moi, qui sommes les visages du groupe. On ne peut pas vraiment faire de concert sans nous. Pour les autres, je dis pas qu'ils sont remplaçables. C'est pas ça, mais ils l'ont vite compris. Ils l'ont proposé d'eux-mêmes. Ils ont dit bon, bah, de toute façon, enfin, voilà quoi. C'est comme ça que ça tourne pour le moment. Sincenom, on verra bien. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Il faut déjà bosser sur un troisième album. Mais de toute façon, encore une fois, comme je l'ai dit tout au long de l'interview, il n'y a rien qui presse puisque les concerts, on ne sait pas du tout quand ça reprendra. Mais pour moi, voilà, ça sera Creator en priorité. Et puis, bah, après, selon, je ferai selon. Voilà. Il y a la tournée telle quelle qui peut être remis en question, parce qu'il y a Riley Gale qui est décédé entre-temps. Qui ça, pardon? Riley Gale de Power Trip qui est décédé, qui était en Ah support. oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, la tournée, pardon, j'y étais pas là. Oui, je pense qu'elle est maintenue quand même, parce que c'était Lamb of God et Creator en co-headline et Power Trip en dessous. Donc, je suis pas en train de minimiser leur rôle dans la tournée, mais je veux dire, c'est les headliners qui définissent, qui font avancer la machine. Donc, je pense que la tournée se fera
Si elle se fait, elle se fera sans eux, ce qui est normal, ce qui est bien triste, mais voilà. La tournée est compromise de toute façon parce qu'on ne sait pas quand les concerts reprendront et comment ça va se passer. On ne sait pas si. C'est ce que je disais là, avant de faire cette interview. Est-ce qu'il va falloir montrer, est-ce qu'il va falloir un passeport vert pour rentrer dans les salles de concert, ou est-ce que. Enfin, tu vois, où est-ce qu'il faudra faire des tests? Est-ce qu'on, enfin, ça va être vachement compliqué. Donc là, pour le moment, ça me paraît utopique de parler de concert en ce moment. Donc c'est pour ça, en fait, je réponds, mais c'est pas, tu vois, autant quand tu me poses des questions sur la musique, là, je peux être focalisé, tac, tac, tac. Mais quand on parle des concerts, ça me paraît tellement dans le vent, malheureusement, mais c'est vrai que c'est je sais pas quoi, on verra quand ça reprendra, mais ouais, là tu vois, la tournée, j'espère hein, qu'elle se fera, mais je sais pas, voilà, personne ne sait. Oui, comme on était à Five Finger Death Punch et Megadeth en début d'année, là c'est. Bah Y ouais. a plus quoi. Ah bah ouais, voilà, il y avait c'était cool, on allait voir des concerts, c'était le bon vieux temps. Tu pouvais tousser, tout le monde s'en foutait. Mais voilà, donc là, c'est vrai que moi, le dernier concert que j'ai fait, je suis allé voir Five Finger Death Punch, je suis allé voir Baby Metal, je suis allé voir Slipknot. Et quand j'étais au Japon, j'ai vu Saki qui jouait avec son groupe Nemophila. Je crois que c'est le dernier concert que je suis allé voir. Quand j'étais en Allemagne, il y avait des concerts cet été. Il y a eu d'ailleurs la launch party de Vader qui jouait dans une église à Essen. J'y suis pas allé. Samy est allé jeter un coup d'œil, mais j'y suis pas allé. Mais ouais, je crois que c'est ça les derniers concerts que j'ai fait. Donc ça remonte à un petit bout de temps. Mais je te dis, moi, ça me manque pas trop, ça va. Est-ce que tu veux composer une chanson sur Charleville-Mézières? Il y en a déjà une très bien du groupe Nakash. À l'époque, il s'appelait pas Nakash, c'est ceux qui chantent elle imagine la chaleur et le nain des villes blanches. Je me souviens plus des paroles. Je préfère la version des nuls. Elle fait la gym, elle fait la gym, elle fait la gym parce qu'elle a trop tendance à s'épaissir. Et bref, et donc il s'appelait Nakash Soleil. C'est un groupe de Revin. Et il y a un morceau qui s'appelle Charleville-Mézières. Et le refrain, c'est À Charleville-Mézières, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et à Charleville-Mézières, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, j'ai pas besoin de. Je pense que l'hymne est déjà écrit. Donc, voilà, j'incite les gens qui écouteront cette interview à chercher sur Internet le morceau Charleville-Mézières. Il est parfait, il est nickel. Donc, non. Je peux peut-être plus. Ouais, je sais pas, peut-être un jour je ferai un morceau Charleville mon amour, mais comme Hiroshima mon amour. Mais là pour le moment ça va, puis je dis j'ai déménagé donc il faut que j'apprenne à connaître un petit peu mon village et puis on verra qui gagnera. Mais je reste un Carolo-Massérien, pardon, dans l'âme et dans le cœur. C'est quoi tes meilleurs et pires souvenirs de tournées et concerts? Alors, c'est pas facile ça. Le pire, c'est quand j'étais au. Il y en a une paire. C'était. Ah, quand j'étais en Finlande, je me suis pris une cuite la veille horrible, mais vraiment, j'ai. Enfin, je me suis pris une cuite. En fait, on fait un concert à Stockholm. Je me prends une cuite. Donc, je dors à peine. On prend le bateau. Sur le bateau, je picole toute la journée. On arrive en Finlande. On prend le van. Je picole dans le van. On arrive à destination. On va sortir. On va avoir des coups. Et on boit de l'alcool local. Donc c'est tout. Alors le soir, j'ai encore la pêche. Mais le soir, c'est tout. Machin. Le lendemain, impossible d'avaler quoi que ce soit. Je vomissais tout. Et au début, je trouvais ça rigolo. J'ai dit, putain, ouais, j'ai pris sacré quoi. Sauf qu'en fait, j'étais en train de me déshydrater parce que même l'eau, en fait, elle restait pas. Les bouts de chocolat, rien du tout, rien, 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 rien. Et du coup, j'ai fait le concert, je pouvais pas tenir debout. Marc s'est excusé, c'était avec Dragon Force. Hein. Marc a prévenu, voilà, j'étais assis comme ça sur le riser. Et le top du top de ce concert-là, c'est qu'en fait, j'ai fini le morceau Heroes of Our Time sur le côté.
en train de vomir dans un seau, pendant que le Guitar Tech en fait jouait les dernières notes comme ça. Je faisais les notes avec ma main gauche et lui faisait en se rendant la gueule et je vomissais sur le côté. Mais sur le côté en fait c'était une relativement petite salle et c'était avec un drame. Il y avait des fans qui s'étaient déplacés donc ils me regardaient en train de vomir comme ça en train de jouer là. Voilà. Donc ça c'était assez pathétique. Je me souviens aussi dans le même genre d'un concert en Italie. Où pareil, j'avais pris une cuite pas possible la veille et on tournait avec Huntress et Kissing Dynamite. Et donc mes potes de Huntress ont trouvé que c'était malin de me refaire boire l'après-midi. Et puis moi, il faut pas me le dire deux fois, j'étais comme ça, ouais, c'était une paire d'années, j'étais un peu plus vivace, un petit peu plus foufou. Et donc on a rebu du whisky l'après-midi. Toujours est-il que je me suis couché comme ça, par terre, et on m'a réveillé, tu vois, comme ça, 20 minutes avant le concert. Et je comprenais rien. Et en fait, tout ce que je jouais était décalé d'une demi-seconde. C'est-à-dire que tu sais, comme dans les cauchemars où tu cours, tu n'arrives pas à courir, tu vois. Et là, en fait, le tempo était comme ça. 1, 2, 3, 4. Et tout ce que je mettais, c'était à côté. Et j'y arrivais pas, je me fendais la gueule. Je me dis, putain, c'est horrible. Donc voilà, donc ça, c'était les deux concerts vraiment dégueulasses. Avec un aussi à Dallas. J'ai mangé un cookie au beurre de cacahuète avant de monter sur scène. Je suis allergique à la cacahuète. C'est bien marqué en rouge partout sur le rider. Tu vois, les fiches que tu donnes, c'est marqué en rouge peanut allergy. Mais là, c'était dans une chaîne de salles qui s'appelle House of Blues aux États-Unis. Et donc, en fait, ils ont leur catering ils font pas attention, quoi. Ils s'en branlent. Tu leur files ça. Non, tu t'en fous. Tu auras du poulet cajun de toute façon, comme tout le monde. Et des peanut butter cookies. Et j'ai pris ça sur scène, et enfin avant de monter sur scène, j'ai pris mon antihistaminique et j'avais mal, j'ai l'impression comme des coups de poignard dans la panse. Alors je buvais un peu de tequila pour essayer de, tu vois, de, je sais pas, de penser à autre chose, machin, tout ça. Et le concert était assez atroce, mais c'est surtout que je suis sorti de scène, je suis allé vomir, tout est repassé par le nez, j'arrivais plus à respirer, j'étais choqué. Enfin bref, c'était atroce. Ça, c'est les mauvais concerts. Pour les bons. Récemment, faire mon premier concert avec Creator, c'était super cool. Ça, c'est un super bon, tu vois, parce que j'étais un truc que j'avais pas ressenti depuis longtemps. Tu sais, vraiment, c'est quasi le premier concert. Tu sais, t'es comme ça, t'es nerveux, et puis c'était un mélange. Je vais peut-être pas dire le premier, je dirais plutôt le deuxième, parce que le deuxième, j'étais vraiment dans mon bain. Le premier, j'étais un peu comme ça. J'ai dit, merde, eux, ils ont des habitudes, ils se croisent, ils marchent. Là, je me cherchais un petit peu. Le lendemain, on a joué avec Slayer Anthrax dans un grand stade. Il y avait 16 mosh pits, Enemy of God et tout. Puis là, ça y est, j'étais parti, j'étais dans mon élément. Ça y est, c'est moi que v'là, je suis bien. Dès qu'on attaquait par Violent Revolution, et le deuxième, c'était Extreme Aggression. Et là, j'étais comme ça, putain, ouais, c'est bon ça. Donc ça, youpi. Après, je me souviens des premiers concerts où tu fais un album et tu vas dans un autre pays qu'elle tient et le mec te connaît par le nom. Enfin, il connaît ton nom, tu sais. Ça fait drôle, je me souviens de ça. Alors, c'était pas tant sur scène que les alentours. La scène en elle-même, finalement, ça se ressent beaucoup. Je me souviens de concert au Japon où j'étais ému parce que j'avais composé des titres pour eux. Puis j'adore le pays et je voyais qu'ils connaissaient les paroles. Donc, pour moi, c'était morceau Symphony of the Night. Le jouer au Loud Park et puis voir les Japonais qui étaient à fond dedans, puis moi qui étais à fond dedans. Je me souviens que j'étais ému, donc ça c'était beau. Et puis on a fait plein de beaux concerts dans plein d'endroits. Donc là, je te cite ça pêle-mêle, il en manque forcément. Jouer à Charleville-Mézières avec Dragon Force, c'était vachement cool. J'étais content de jouer à Charleville. C'est le stade où j'ai appris à faire du vélo. C'est là où mon père il a retiré les roues, puis il m'a poussé comme ça, et puis après j'allais faire mes tours d'endurance autour. Donc à chaque fois qu'il y avait des groupes que j'aimais bien qui jouaient au Cabaret Vert, j'en sais rien, Hatebreed, Suicidal Tendencies, j'étais content de les voir sur ce terrain-là. Et puis là, moi d'y jouer avec Dragon Force, c'était sympa aussi. Mais donc voilà, puis enfin j'en oublie, il y en a plein, j'en ai fait beaucoup et je deviens vieux et je n'ai plus beaucoup de mémoire. On peut se procurer où l'album? À Maïrou? Ouais. Partout. Enfin, partout. J'ai un pote qui l'a acheté à la Fnac. Il est sur. Tu peux le commander sur Amazon, même si c'est pas bien Amazon. Mais je ne sais pas si les commerces sont réouverts maintenant, s'ils ont le droit. Mais oui, enfin, je pense que tu peux le trouver partout. Et puis il est
aussi sur les plateformes de streaming. Voilà, donc il doit être disponible dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit. Et t'as une version française, enfin européenne et japonaise, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors là, moi, j'ai la version européenne ici, donc avec Zombie. Et il y a la version japonaise qui doit arriver dans quelques jours avec un titre bonus qui s'appelle Shine, qui est cool. Donc voilà. Une version avec DVD aussi, avec les deux clips dessus. Il y a un autre clip à venir? Non, non, non. On a fait que ces deux-là. Et puis, bah, on aurait pu s'y intéresser, mais là, déjà, ne serait-ce que retourner au Japon, ne serait-ce que pour me prendre une tôle, déjà, ça me ferait plaisir, tu vois, même sans faire le clip. Mais là, je ne sais pas du tout, je sais pas du tout quand je pourrais y retourner. Donc, non, non. Là, on a fait deux clips. Et puis, bah, de toute façon, c'est simple. Hein, je suis allé faire les deux clips. Je suis rentré en France. J'ai fait enfin, je suis resté 2 heures à l'aéroport pour aller directement en Allemagne pour faire le clip de comment Pour le divide. de créateur. Et puis après, je suis rentré chez moi. Puis bah, c'est voilà. Puis depuis, il y a le Covid. Donc voilà. Donc j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir cette année. J'ai tourné aussi. Ah non, je suis allé tourner le clip avec La Oblast, celui qui est sorti là aujourd'hui. Ça, j'ai tourné ça en septembre. Voilà, c'est ça le dernier truc que j'ai fait au niveau des clips. Mais ouais, pour retourner au Japon, c'est un petit peu plus compliqué. Okay. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview. Eh ben, merci à toi pour cette interview. Merci aux gens qui l'ont écouté, d'avoir supporté tout ce que je peux raconter comme conneries. J'espère que les gens apprécieront l'album Amaïru. Il est plutôt positif et puis il est. J'en suis très fier, je suis très content de ça parce que c'est vraiment c'est moi à 100%. Forcément, il y a d'autres intervenants, mais en tout cas, là, j'en suis fier à 100%, comme je pouvais l'être dans un autre style de Sincenom. Voilà, donc là, j'ai mes deux penchants, mon yin et mon yang. Donc voilà, après, je sais pas, je dis pas que les gens qui aiment Sincenom ou Creator aimeront ou La Oblast aimeront forcément Amaïru. Je m'en fous, de toute façon, je suis pas là pour forcer les gens. Mais si les gens sont ouverts d'esprit et qu'ils veulent me suivre dans mon aventure, voilà, bon, en tout cas, je suis vraiment très content avec ce groupe. Et puis voilà, donc merci aux gens qui me soutiennent, qui soutiennent les musiciens de manière générale. Et puis voilà, j'espère revoir les gens dans un concert où je serai sur scène, parce que si vous avez bien compris, en gros, j'aime pas aller voir les concerts, mais si, ça m'arrive quand même d'y aller. Mais donc voilà, j'ai hâte que tout ça se décante. Mais en attendant, que tout le monde reste chez soi tranquillement, prenez soin de vous, écoutez de la musique et youpi, voilà. Et bonne année et joyeux Noël. Voilà. Merci à toi pour l'interview et bonne fête. Et ben voilà, bonne fête de fin d'année et merci à toi également. Merci, ciao. Salut, ciao.